Nombreux d'entre vous connaissent la marque BenQ pour leurs écrans, mais saviez-vous qu'ils ont aussi des accessoires qui sont très intéressants à utiliser juste au-dessus des écrans? Je parle évidemment des lumières que comportent certains écrans, comme le mien actuellement avec la Screen Bar Halo que j'avais déjà testé il y a un peu plus d'un an cela, mais aujourd'hui c'est la Laptop Bar que je vais tester dans cette vidéo. Et vous allez voir que les produits de chez BenQ y sont bien léchés. Fourni avec sa petite batterie avec une autonomie de 160 minutes à hauteur de 50% de la luminosité, on est vraiment pas mal pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions partout avec un laptop. J'espère que vous allez bien, c'est GX et comme vous l'aurez compris aujourd'hui une nouvelle vidéo review dans laquelle je vais passer en revue un produit de la marque BenQ. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais juste avant de commencer cet unboxing, peut-être que vous cherchez une licence Windows. Et bien pour cela, j'ai mon partenaire CDK Deals qui peut vous aider. Regardez ça. Si jamais le petit mot Activer Windows apparaît en bas à droite de votre écran, c'est qu'il vous manque une petite licence. Alors j'ai un bon plan pour vous. Grâce à CDK Deals, un partenaire de longue date, vous pouvez obtenir Windows 10 Pro seulement à moins de 20 euros. Oui, il affichait actuellement à 20 euros, mais j'ai un code de réduction de moins 30% avec le code JX30. Vous allez voir. Évidemment, le lien se trouve en description. Arrivé sur la page, on clique sur acheter. Une fois arrivé ici, on entre le code JX30. On aura 30% de réduction. Ça me fait la licence Windows à seulement 14 euros. J'ai simplement à payer et voilà, je viens tout simplement de passer ma commande et ma clé se trouve ici. Première commande que j'ai passée chez eux, c'était en 2020. C'est pour vous dire que c'est des gars sérieux. Ma commande se trouve ici, on a tout simplement reçu la clé en quelques secondes. Pour voir cela, c'est très simple. Une fois arrivé ici, je clique sur modifier la clé de produit et j'ai juste à coller ma clé. Et boum, j'ai juste à cliquer sur activer et Windows est activé. Et sachez que vous pouvez aussi passer de Windows 10 Pro à Windows 11 Pro gratuitement en faisant la mise à jour. Et vous pouvez aussi faire une très bonne affaire en achetant Office 2019 professionnel. Mon code de réduction marche aussi sur ce produit. Je vais entrer simplement JX30 et regarder le prix qui va passer de 59 euros à 41 euros, soit une économie de 17,88 euros. Tous les liens se trouvent en description et le code de réduction JX30 également. On continue la vidéo. Bref, on est parti pour cette unboxing. Et nous sommes donc partis pour ouvrir cette laptop bar de chez BenQ, une marque que vous connaissez sans doute pour leurs écrans, personnellement c'était mon cas, mais ils font de très bons accessoires, dont un que j'ai encore sur mon écran à l'heure actuelle, la Screen Bar Halo, et je vous avouerai être tombé amoureux de ces produits qui sont très utiles. Tout d'abord le packaging, on connaît bien hein, chez BenQ, ils adorent mettre de leur branding mais aussi de la simplicité. Et ça, ça fait plaisir. Tout d'abord, une pochette de rangement. Et ça, je note que c'est tout particulièrement intéressant pour un produit qui va être utilisé sur un laptop. Et le produit se cache ici, dans une petite boîte en carton, avec la notice ici. Un produit qui, je sens, va me plaire. Et pour en avoir le cœur net, on va tout simplement ouvrir cela et voir ce qu'il se cache à l'intérieur de ce colis. Voici la laptop bar qui est rangée dans son carton. Alors, super bien packagé, et ça, je note, ça fait plaisir, c'est toujours agréable. Et quelques instructions pour pouvoir utiliser la lampe. Le tout est bien protégé, on peut voir qu'ici, il y a un câble USB type C vers USB type C, et ici, on a donc la batterie qui va alimenter en continu la lampe. Et la lampe, elle, se trouve ici. Hop, et vous allez voir qu'elle est toute petite par rapport à la Screen Bar Halo que j'ai actuellement. Un produit magnifique qui mérite d'avoir des plans d'un peu plus près. Et on aura simplement à fixer le tout comme ça et ça s'allume directement. C'est assez magique. Et le haut est super bien aussi. Bref, beaucoup de détails à aller voir de plus près. Il faut savoir que c'est une lampe qui pèse au total 200 grammes. Alors autant vous dire que c'est très petit et que ça va être parfait pour être emporté. Et on pourra donc la ranger dans sa pochette. Et hop, le tour est joué, je peux maintenant partir avec cette lampe. Alors il faut savoir que cette lampe comporte deux modes d'éclairage. Un mode manuel où est-ce qu'on pourra tout régler soi-même et un mode automatique qui va ajuster la luminosité à 500 lux, qui est la luminosité idéale pour travailler sans se fatiguer. On aura 7 hauteurs et réglages différents de la température, passant de quelque chose eh bien, de très chaud à quelque chose d'assez froid, et on pourra évidemment ajuster la luminosité également à 7 niveaux. Alors que ce soit simplement pour éclairer vos touches, pour mieux voir ce qui se passe sur votre clavier, ou simplement
avoir des documents à portée de main sur lesquels on peut lire et écrire dans un endroit qui est pourquoi pas assez peu lumineux. Par exemple le soir, au lieu d'allumer une grande lumière juste avant de dormir pour voir ce que vous faites, la laptop bar peut être une bonne solution à cela. Et ça, on va le voir ensemble. On est donc sur un produit très minimaliste de 200 grammes qui va pouvoir vous éclairer pendant que vous travaillez, et ça, on va le voir en direct. Et puis, elle éclaire plutôt bien, hein. Je pense que là, on a quelque chose qui va être très efficace pour lutter contre la fatigue oculaire, et ça va vous permettre de pouvoir, par exemple, prendre des notes pendant que vous travaillez. En bref, une lampe très facile à prendre en main, on a seulement à la clipper directement avec quelque chose d'aimanté, à savoir sa batterie. Batterie qui, elle également, sera toute fine et toute petite, mais qui nous conférera quand même une autonomie de 160 minutes à hauteur de 50% de luminosité. Et ça, c'est BenQ qui l'a annoncé. Pour tester cette lampe, il va falloir évidemment la lampe qui est ici, mais aussi un laptop, un ordinateur portable que vous allez souvent emporter pendant un voyage. Et la pose de cette lampe se fait très très facilement. Je vais vous montrer cela. Pour l'installation, c'est très simple. On devra se munir de ce qu'on a reçu, à savoir ces deux aimants. Et personnellement, je vais prendre celui qui correspond le plus à la couleur de mon ordinateur, c'est-à-dire celui en foncé. Je le décolle et je vais tout simplement coller sur le haut de mon ordinateur. Le petit aimant est collé, il faudra attendre quelques minutes pour qu'il se colle réellement très bien, et ensuite on pourra tout simplement poser la lampe. Et ensuite, nous aurons seulement à prendre la lampe et à la poser comme ceci, pour avoir quelque chose qui va éclairer mon ordinateur. Et là, c'est très intéressant. Et même si je bascule l'écran, il ne tombera pas parce que l'aimant fait le boulot. Voici à présent la lampe qui fonctionne correctement et qui est posée. Alors voici ce que ça va donner. En réalité, là, on aura une diffusion de la lumière sur ce côté et on pourra voir ce qu'on écrit si on prend par exemple des notes. Et on pourra changer la température et aussi le niveau de la luminosité. Là, je vais du côté le plus chaud et de l'autre, je vais du côté le plus froid. Je viens d'éteindre tous mes éclairages et vous pouvez voir que ça éclaire tout autour de l'ordinateur. Et je vais vous montrer comment se passent les réglages. Alors, pour éteindre et allumer, c'est ici que ça se passe. Et ensuite, en haut, je pourrais gérer différentes choses, comme le niveau de la luminosité, en appuyant une fois ici. Et ensuite, je pourrais bouger le niveau avec mon doigt. Et ça, c'est très satisfaisant. Voilà. Seulement avec le tactile, on pourra gérer cela. Et en appuyant une fois ici, on va passer à la température. Là, je suis sur la couleur la plus froide, mais si je veux, je peux changer cela et faire un juste milieu. Une balance entre le froid et le chaud. Très facile à prendre en main. Voici ce que ça donne quand le PC est allumé. Vous pouvez voir que c'est très stylé, mais c'est encore plus stylé quand je vais l'allumer. Regardez ça. Et voilà, je l'ai allumé. On y voit déjà plus clair. Mais si j'éteins tous mes éclairages, vous pouvez voir qu'on éclaire un petit peu la zone tout autour et c'est très sympa. Mais je peux aussi switcher et passer en mode température automatique et luminosité automatique en appuyant ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode automatique. Et en fait, on va avoir un réglage qui va se faire au niveau de la luminosité pour avoir le niveau optimal, pour éviter la fatigue oculaire. Mais je pense que vous n'aviez pas vu, tout comme moi, on peut aussi passer en mode déployé. Et ça, c'est assez impressionnant. Oui, je viens très clairement d'ajuster le tout pour pouvoir le grandir. Et c'est magnifique, ça marche tout autant. Un mode déployé qui pourra s'adapter à beaucoup plus de laptops et à beaucoup plus de claviers de laptops. Parce que là, le but, c'est d'éclairer un peu mieux le clavier. On y verra mieux les touches et on aura quelque chose de très satisfaisant pour travailler dans n'importe quel lieu. Et comme je vous expliquais, un mode déployé, ça nous permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus large et on pourra, par exemple, prendre des notes très facilement avec un carnet et on verra tout ce qu'on a écrit. Si par exemple j'écris JX, on verra très bien. Mais si j'éteins, à tout de suite, on y va un peu moins clair. Je vais le refaire sans mon éclairage YouTube et vous pouvez voir que là, on y voit quand même très clair. Et si je mets le niveau à fond, donc là, on voit très bien ce qu'il y a écrit. Et ça, sur une bonne zone. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet accessoire qui va être super utile si jamais vous avez un laptop et que vous travaillez souvent avant de dormir, mais que vous ne voulez pas vous fatiguer les yeux, tout simplement, ou avoir une lumière qui est trop présente avant de dormir. Je pense que c'est un bon accessoire, cependant, je retiendrai
que son prix, lui, de 139 €, ce n'est pas un avantage pour ce produit. En effet, 139 €, ça représente une somme pour une lumière, c'est vrai. Ça peut faire grincer des dents, mais en attendant, je n'ai pas trouvé de défaut à ce produit. Alors, évidemment, c'est sur batterie, mais imaginez un petit peu le bordel que ce serait avec un fil. Ça aurait été quelque chose de pas du tout esthétique, là où est-ce que l'esthétique du produit joue beaucoup. Alors on est sur un accessoire qui va optimiser vos conditions de travail, qui n'est pas donné, c'est vrai, et qui a le mérite d'être super bien fini. Dans tous les cas, je vous laisserai aller voir le lien dans la description qui va mener directement à ce produit. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton s'abonner. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que ça vaut le coup pour son prix ou non? Évidemment, tout cela dépendra de vos budgets et aussi de vos besoins. Mais en tout cas, moi, c'était un plaisir d'ouvrir ce produit BenQ. Pour l'instant, je n'ai jamais été déçu de leur produit. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.